Ah, mais Géraldine, ça va se dégager, on le souhaite, là, dans les prochaines heures. Ça va se dégager et les vents aussi vont s'adoucir. Ça va se calmer parce que ce matin, on a encore des rafales entre 40 et 50 km à l'heure. Vent du nord-est, des vents assez frisquets, je vous le dirais, mais ça va se réchauffer quand même plus la journée va avancer. Puis éventuellement aussi, on va tasser les nuages. On va retrouver donc le soleil. Par endroits, c'est une alternance soleil-nuage qu'on aura cet après-midi ou même un ciel complètement dégagé, davantage pour les secteurs au nord du Québec. Bon, depuis quand même plus de 24 heures, vous n'avez plus de précipitations. Pour les secteurs où il y en avait encore la nuit dernière, entre autres en Estrie, en Beauce, quelques résidus ce matin à 40 % là, de risque de gouttelettes d'eau ou de flocons de neige en Beauce. Température donc qui sont un peu plus froides si on compare à ce qu'on a eu cette semaine. Mais éventuellement, quand même, ça va se réchauffer cet après-midi. Oui, on voit quand même des 9 degrés à l'écran, mais demain aussi, hausse des températures. Demain, vendredi, on termine cette semaine de relâche en beauté avec du soleil, 9 degrés. Et là, samedi, dimanche, jusqu'à lundi, ça va se corser avec l'arrivée d'un système dépressionnaire en provenance du Colorado. Mélange de précipitations. Les secteurs au nord auront de la neige. Tout ce qui est au sud, à l'extrême, Montréal en fait partie, de la pluie, jusqu'à 30 mm d'eau comme accumulation, suivi de neige quand même. Il y aura une petite transition Montréal dimanche à lundi, flocons de neige, un petit cocktail météo, on va se le dire. Et pour les secteurs au nord, à l'extrême du Québec, on peut parler, oui, de la ville de Québec, mais tout ce qui est encore plus au nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, bon, tout ce corridor à l'extrême nord de la province, attend quand même jusqu'à 25 cm de neige, la grosse neige collante, très lourde aussi, vu les températures quand même, qui seront juste un peu en dessous du point de congélation et ce sera suivi de pluie. Pour les secteurs de transition nord-sud, Québec en fait partie, mélange de précipitations tout au long du week-end, pluie, neige, beau petit cocktail météo, on parle pas d'une tempête, ce ne sera pas la tempête des corneilles du mois de mars, mais quand même des précipitations mélangées, donc on profite du beau temps, du calme cet après-midi et du soleil demain, vendredi, pour terminer la semaine. Merci Géraldine.